avance, donc on est reparti pour la quête d'essayer. J'ai pas fouillé ici, on sait jamais. Peut-être que machin il s'est planqué derrière un mur. Il est pas ici. Donc on a ici. Attends, on va aller à. Ça semble que ça s'appelle Noblia. Pour espérer trouver enfin ces foutus de diamants. Et non, j'ai vraiment fouillé tout ce que j'avais de tête. Je sais pas où est-ce que l'autre alchimiste de mes deux il est planqué. Du coup, là le temps de perdu quoi. Vous pouvez pas m'expliquer si vous cherchez tel ingrédient, allez là-bas. C'est fermé. Non, c'est en haut. Donc passer dans cette salle-là. Puis aller à droite. Là, c'est très long maintenant. Et encore très long. Bon, je suis parti pour finir le jeu juste avec mes broyeurs. C'est dommage. J'aurais pu avoir plein de super magie pour faire plein de trucs super jolis. Mais au final, j'aurai que des broyeurs. Là, normalement, je suis dehors. On refait un petit tour. S'il vous plaît, venez pas m'embêter. Voilà, ils m'embêteront plus, c'est sûr. Oh, je suis passé sans faire toucher. Magnifique quoi, magnifique. Même pas de temps perdu. Toi en bas, avec ici il y avait un petit con il me semble. Je m'appelle Lotto. Si vous trouvez combien j'ai de billes, je vous fais un cadeau. 9. Inès a encore battu le mec. Deux fois de suite que j'arrive pas à trouver combien il a de billes. Ah, je viens aussi de me rendre compte. Au début, c'était un petit garçon et il devait travailler sur un élixir pour vieillir. Or, là, il est un peu très vieux. Du coup, ça veut dire qu'il a réussi son élixir et maintenant il cherche un élixir de jeunesse. Ah, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'il a changé. C'est un petit truc intéressant. Petit coup d'humour. Au début, il était jeune, il voulait être vieux. Et maintenant qu'il est vieux, il veut être jeune. Assez jeune, je vous jure, c'est n'importe quoi. Même ces vieux, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ah, donc on a tout traversé, le monde entier. Allez, on reprend le truc. On va faire une petite sauvegarde, une fois dans le ciel. Et direction le monde des sables. Alors, c'est où ? Les sables, c'est pas par là. Ah, là c'est du sable. Ah, voilà. Je peux me poser là, c'est nickel. Du coup, j'ai pas le monde à me taper. Ah, j'espère que c'est ici. Parce que s'il faut que j'aille au campement d'Alec, c'est super loin. Alors là, il passe rien. Non, y a rien là. Allez, s'il te plaît, allez, Malek. Malek, non, Alec. Il me semble de souvenir. Ah là, découvre un chapelet. Sniff, voilà. Vous pouvez entrer, oui, oui, je ne plaisante pas. Bon, je sais pas ce qu'il renifle, mais c'est un garde. Est-ce que... Ah ! Ben Dieu !
d'un dieu. Je connais pas ça. Ce sont mes amis Damzou et Akisho. J'ai de mauvaises nouvelles à vous communiquer. Mini s'est institué le roi des Globelins dans les profondeurs de la pyramide. Le pouvoir l'a transformé. Essayez de le ramener à la raison, mais soyez prudent. J'ai découvert une formule dans la bibliothèque du palais. Il faut un calcaire et deux portions d'os. Barrière? Ouais, c'est peut-être intéressant, barrière. Je vais enlever... qu'est-ce que je vais enlever? Naissance, je garde. C'est orage qu'il faut que j'enlève, parce que orage, c'est sûr que j'utiliserai jamais. Il est où l'orage? Ah, c'est éclair, pardon. Hop là. Et le barrière, je vais le prendre parce que je pense que ça doit être bien. Ou alors elle te garde. Merci beaucoup, nous serons prudents. Yes, on est à peine arrivé qu'il nous vire déjà. Pas un truc ici. Vinaigre. Non, c'était pas ça. Portion d'eau. Non. Bon, c'est pas grave. Il me semblait me souvenir qu'il y avait un petit secret par ici, mais... Tapez. Allez, donc on va reprendre l'avion et on va aller se poser près du village bateau. Ça doit être beaucoup plus rapide, ça c'est en plus ça va éviter la traversée du désert qui prend 45 ans. Allez, dans The Super Cuckoo One. Ensuite, à partir du Super Cuckoo One, on va aller où? Là il y a l'eau qui est pas très loin, donc c'est l'autre côté. Quand même pu mettre un truc d'atterrissage. Lapin, vous êtes sûr? Allez, lapin. Si, bizarre, il me semblait qu'il y en avait un qui était juste à côté pourtant. Mais bon, il est pas allumé. Donc on va là-bas. Et là on est parti pour une traversée assez longue. Bon, évidemment pas du désert. Mais ça reste quand même une sacrée traversée. Il va falloir traverser cet écran là. Ensuite, il va falloir traverser le village. Ouais ouais, ça c'était tout le village. Allez petit, on se dépêche. Ensuite, il faut retraverser le pont. Normalement, il... Ah non, en plus, elle est plus là. Vas-y, le chien. Donc, le chien, il va retraverser, il va rechercher la nacelle. Bravo, le chien. Attends, toi, elle est pas tranquille. Donc je remonte dans la nacelle. Quoique... Ah non! Je vais la reprendre. Je me souviens qu'il y a un alchimiste ici, ça y est. Peut-être que lui va vendre certaines choses que je veux. Allez, tu passes. Cool, l'alchimiste. Donc, est-ce que toi t'es gentil et tu me vends ce que je veux? Oui, tu peux enregistrer mes exploits, ça me fait plaisir. Ok. Quoi? Non? Oui, les ingrédients, j'en veux. Je cherche pas d'eau, je cherche pas de... J'ai consommé de la cire déjà, autant? Bon, on va en racheter. Pas normal. Les racines, on va en racheter une. Et l'alcool. Ben, l'alcool...
aucune magie qui nécessite de l'alcool. Normalement. Non, pas lui. Dis-je explosion? Allez, on va acheter de l'alcool. Non. Oui. Allez, plein d'alcool. Comme ça, au pire, au moins, on aura les explosions. Non. Par contre, je vais juste m'assurer que l'explosion est activée. C'est bon, c'est activé. Non, et on va se regarder une dernière fois. Oui. Impeccable. Allez, on est parti. En avant pour la pyramide. C'est un système pratique ça, franchement, les nacelles qui se déplacent toutes seules. C'est même limite un film d'horreur en fait. Et... Allez, on se dépêche. Va-t'en. Passer. Ok, toi aussi va-t'en. En essayant d'y aller par là. Ça me fait arriver ici. Si je tente... Et j'ai raté. Normalement, je retourne au campement d'Alec. Et il y aura peut-être l'alchimiste, du coup. Y'a pas un alchimiste, ici? Oh, mais c'est feignant. On va bien bosser un peu, mince. Comment vous voulez vous en sortir dans la vie si vous vendez rien? Bon, bah, du coup, on va prendre le chemin plus long. J'ai essayé de faire tout le tour, ici. J'étais déjà venu ici. Lorsque la rivière s'était vidée et je m'étais rendu compte que j'étais venu pour rien. Donc cette fois, on va essayer de réussir. Donc on évite tous les monstres parce que c'est une perte de temps. De toute façon, à la hache, je suis pas prêt de les tuer et j'ai pas envie de gaspiller mes quelques magies que j'ai. Hop, une petite sauvegarde de position. Encore une fois. Bon, maintenant, les sauvegardes de position, je vais en faire énormément. J'hallucine quoi. Mais mec, vous allez me laisser entrer? Mais on est où là? On est d'accord hein, je rentre, merci. Bien, alors. Normalement, c'est ici qu'il y a Mimi. Alors ce que je... Mimi n'est pas loin, c'est un de ces rochers. Alors si en plus tu connais les rochers de Mimi... Hop. Pourquoi ça s'ouvre pas ici? De toute façon, j'ai le droit. Ah, je t'en fais de mouton. Contrôle le mec, j'ai le droit à une lévitation. Normalement. Ah non, j'ai pas de lévitation. Mais comment on fait ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire arriver ici? J'ai activé tous les téléporteurs. Donc qu'est-ce qui gêne? Et s'il me faut un poivron, la flemme. Il me faut un poivron, c'est ça? Je réfléchis. Ouais, bon bah je vais aller me chercher un poivron. Bon, comme ça va être une mission vraiment très longue et que là en ce moment j'avance pas, je vais aller chercher mon poivron en off. Donc on se retrouve ici quand j'ai un poivron. Ok, donc j'ai mon poivron. Une petite lévitation. Le caillou il va voler.
Va voler tranquillement, pas pressé. Là, moi, je vais faire de vite gauche. Et je vais prendre le contrôle du chien. Voilà. C'est bien ce que je pensais, fallait être les trois simultanément dessus. Donc je reprends le mec et on part à l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Mini se sent bien ici. Laissez Mini et ses amis tranquilles. Les gobelins aiment Mini et Mini aime les gobelins. Partez, sinon Mini va vous ratatiner. Mini me fait très peur. On est parti pour faire mumuse longtemps là. Ouais. Et celui-là il me fait aller où? C'est encore un petit labyrinthe. Ça doit pas être extrêmement compliqué normalement. On comprend la logique très vite normalement. Et... ah, apparemment, mince, c'est téléporteur aléatoire. Ouais, ok. En fait, j'ai aucune idée à quoi ça sert de les prendre. Parce qu'il me téléporte partout de manière aléatoire. Ouais, attends, je vais juste faire des enchaînements aléatoires. Jusqu'à ce qu'avec de la chance, on soit téléporté au bon endroit. Allez, allez, on y croit. Oui, oui, allez. Non, dommage, on n'y est pas. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Oh, non, non, et non. On a failli y être. Allez. Allez, vos milieux. Et non. Allez, c'est la bonne, là. Et c'est pas le bon. On recommence. On va y arriver un jour. C'est le bon. Arrêtez. Mini abandonne. Ne faites pas de mal à Mini. Mini soulève et Mini jette. Mais Mini ne veut plus se battre. Prenez les diamants et partez. Bah voilà. Bien, Mini. Arrêtez de vous gosser, prenez les diamants et partez. Laissez Mini seul avec sa honte. Et ses globelins. Allez, on se casse. Donc, retour au Super Coucou One bientôt. Ailleurs. Enfoiré, il m'a quand même envoyé sur le téléporteur. Histoire de perdre un maximum de temps. Ok, je les ai eu du premier coup. Ils m'ont pas viré. Petite sauvegarde de position parce qu'on est bien. Et maintenant, il va falloir qu'on se retape tout le chemin. Pour retourner au Super Coucou One. Ah, on est tombé. On est content, on est vivant. Donc il y a encore, allez, on va dire 5 ou 6 écrans à traverser. Et puis on va retourner voir pour ça tout. Et on est parti pour Lamzu, objectif lune. Et hop, celui-là. Et je sais toujours pas où trouver les ingrédients qui me manquent. C'est fou ça. Où est-ce qu'on les trouve ces ingrédients? J'arrive pas à trouver d'alchimiste. Bande de crevards.
J'espère que vous ayez... J'espère que vous avez honte. Ben là, gêne. Le super coucou one. Bon mais le mec qui on... Je vole avec du tissu, un tonneau, une roue en pierre et une chaudière. Limite si c'est pas une invention de l'art 26. Alors. C'est pas là. C'est pas celui-là. C'est pas par là. Et là-bas, je dirais. Voilà. Maintenant, ici, on descend. On chope la lumière. Enculé à 3 avancées. Pile ce qu'il fallait. Et... Bon. Vite, allons voir pour ça tout. Ah, il m'attend. Apparemment, il y a un truc prévu. Salut Damsou, avez-vous le dernier objet dont j'ai besoin? Mais bien sûr. Donne les yeux de diamant. Très bien. Très bien, bien. Voyons, voyons, je dois m'assurer que les pièces sont dans l'ordre. J'ajuste ce boulon, je tourne ce bouton et je trafique ce bidule. Je crois que c'est prêt. Vocabulaire très très développé. Et voilà, Damsou. Vous n'allez là où personne n'a jamais mis les pieds. En fait, nous y sommes déjà allés. Oh, comment il a cassé son cou, quoi. Oh, je vois. D'accord. Mais on ne vous a jamais propulsé d'une tourelle avec des chances de survie pour ainsi dire nulles. Oui, là, je suis d'accord. Mais qu'il est content parce qu'il va me tuer. Ok, allons-y. Zéro. Damsou, objectif lune. Magnifique décollage. Il n'y a même pas de cette vidéo, c'est directement comme ça, cash. Ah ouais, limite si on n'a pas en fait envoyé un vaisseau téléguidé. C'est ce que j'appelle une balade. Le vaisseau de Pensatou est génial. Akisho, que se passe-t-il encore? Tu es si médalique. Comme Toradzilla dans l'attaque du grippin. Au moins nous serons prêts si des baguettes et du pain de mie nous attaquent. Ne fais pas la tête Akisho, je plaisantais. Nous ferions mieux de trouver le professeur Rouflaquette. Et bah nous ici on va arrêter l'épisode, il a duré assez longtemps. Donc on se retrouve pour l'épisode suivant, pour la dernière zone du jeu normalement, la station spatiale. Oh punaise, mais son attaque spéciale elle déchire la chire là. 5 rayons laser simultanés. Donc sur ce je vous laisse, ciao tout le monde.